qui a étudié déjà en Allemagne pour l'enseignement secondaire, puis à Istanbul, à l'Imperial Chemical College à Londres pour la médecine et la chirurgie à l'université de Berkeley. Donc, et qui a eu le plaisir hier, justement, de rencontrer le docteur Pierre Abichong, qui n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui parce qu'il est très actif en ce moment. Il était avant-hier en Chine et il repart mardi en Iran. Mais comme le docteur Babouna souhaitait le rencontrer, on a réussi à caler une petite réunion hier après-midi où ils ont pu se parler tranquillement de leur discipline. Alors aujourd'hui, non, c'est pas de neurochirurgie que Octar Babouna va nous entretenir, mais c'est des activités de cette association Arun Yaya, dont Alice Amoun Engin a un petit peu parlé. Donc vous avez vu que c'est une association importante sur le plan de la surface visible dans le monde, dont les idées sont en un sens assez simples, hein, c'est le combat contre Darwin avec toutes les conséquences, mais avec le mérite d'aller jusqu'au bout dans ses conséquences et en montrant que la science, justement, n'est pas du tout celle que les matérialistes ont cru pouvoir utiliser à leur profit. Donc, et en particulier, le docteur Babouna intervient souvent à l'étranger. Please, come here. Malheureusement pour nous, évidemment, il n'est pas francophone. Donc on va se partager le micro. Il parlera, je traduirai. Bon, je pense que beaucoup d'entre vous vont le comprendre, mais ça ne fera que ralentir un petit peu les choses. Et puis donc on groupera l'ensemble des questions à la fin. Et parmi les sujets pour lesquels j'étais moi-même particulièrement intéressé de le voir venir ici, c'est le fait qu'il est intervenu en 2009 à l'université grégorienne. Alors, 2009, c'est l'année Darwin. C'est-à-dire, dans le monde entier, on a proclamé la gloire de Darwin. Ce qui était quand même un petit peu dommage, hein, c'était également le bicentenaire de la publication de la philosophie zoologique de Lamarck. Et il n'y a pas eu en France de manifestation pour Lamarck, il y a eu de grandes manifestations sur Darwin. Et donc 5 universités catholiques dans le monde, dont l'université grégorienne, l'université Notre-Dame, se sont groupées pour organiser à l'université grégorienne à Rome un symposium sur l'évolution. Et à ce symposium, on pouvait évidemment s'inscrire, on pouvait demander à intervenir, et plusieurs membres, quelques membres du CEP, dont Pierre Abichon, Libérini, bientôt, avaient demandé à intervenir, mais apparemment leur collaboration n'était pas jugée utile. Il faut dire que la fondation Templeton avait donné $1 million de sponsoring, excusez-moi le mot, mais je préfère le dire en anglais, pour la tenue de cette réunion. Donc de quoi payer quelques billets d'avion pour les personnalités qui sont intervenues. Mais on pouvait s'inscrire, assister, et on pouvait poser des questions. Et le docteur Babouna était là-bas, il a posé une question et il vous racontera ce qui s'est passé. So you speak, I translate. Okay. And then, okay. Thank you very much. And first of all, I would start with our thanks. It's an honor and pleasure to be here. I would like to thank to Mr. Tasso and all the administrators of CEP to invite us over here. It's a great pleasure and honor to be with you. Donc, je suis très heureux d'être parmi vous et d'avoir répondu à l'invitation qui m'avait été faite de vous parler. My colleague, my friend Sayun, just talked about our activities. We represent Mr. Adnan Oktar, who uses the pen name Harun Yahya, and he conveyed his deep respects and greetings to all of you, and we would like to see you in Turkey. We invite you to Turkey. Donc, comme Alisa Dunengin qui vous a parlé, nous représentons ici Adnan Oktar, le dirigeant de l'association Arun Yaya, et nous sommes heureux, évidemment, de vous accueillir ici. It is again a great pleasure to see our Christian brothers and sisters over here, and this is the time for alliance for us, because we have a common goal to bring peace and good religious morality to the world. To establish peace in the world, and we have a struggle against Darwinism and materialism, to irreligious philosophies, atheist philosophies.
Donc c'est une grande occasion pour nous de montrer une collaboration possible entre nous et nos frères chrétiens, et dans cette lutte en particulier contre le darwinisme, qui est la source de tous nos maux. Now I'd like to start with activities of Mr. Adnan Oktar, and that's what we're doing actually. I would like to show you. And first of all, I would like to start, the world needs unity and peace more than ever. Donc, comme pour redémarrer cette présentation des activités, commencer. Cette idée que le monde a besoin d'unité et de paix plus que jamais. Muslims, Jews and Christians believe in the existence and unity of God, Allah. Muslims are not at one pole, and Jews and Christians are not at the opposing pole. One pole represents people who believe in the existence and the unity of Allah, and the other pole represents the unbelievers. The unbelievers who believe in such anti-religious ideologies as materialism and Darwinism. Donc les musulmans, les juifs et les chrétiens croient en l'existence et l'unité de Dieu, Allah pour les musulmans. Les musulmans ne sont pas un pôle et les juifs et les chrétiens ne sont pas à l'autre pôle. Un pôle représente les gens qui croient dans l'existence et l'unité de Dieu, et l'autre pôle, ceux qui représentent les incroyants. Les incroyants qui croient dans de telles idéologies antireligieuses comme le matérialisme et le darwinisme. The true solution is the alliance of non-believers can only be defeated by means of intellectual struggle against Darwinism and materialism. J'aime beaucoup cette phrase qui fait remarquer que l'alliance entre les non-croyants ne peut être l'alliance entre les non-croyants ne peut être défaite que par le moyen d'une lutte intellectuelle contre le darwinisme et le matérialisme. Donc ça ne peut pas être une alliance simplement pratique. Mr. Adnan Oktar is an advocate of the unity. He is a prominent Turkish intellectual and world-renowned creationist. For years, you see Mr. Adnan Oktar with pen name Hari Yahya. For years, in all his works and conversations, Mr. Adnan Oktar has been advocating the fact that Christians and Muslims should most definitely be in unity in the intellectual struggle waged against atheistic fatalist ideologies. On every occasion, Mr. Oktar gives utterance to the fact that once Christians and Muslims supply a kind of support to each other, they will put together a great power upon the basis of love and brotherhood. Donc, Adnan Oktar est un éminent intellectuel turc et un créationniste mondialement connu depuis des années dans tous ses travaux et ses conférences. Monsieur Oktar, défendu le fait que les chrétiens et les musulmans devraient définitivement s'unir dans une lutte intellectuelle contre les idéologies athées et sans foi. Et dans différentes occasions, M. Oktar donne sa voix au fait que une fois que les chrétiens et les musulmans s'apporteront mutuellement toutes sortes d'aides, ils mettront ensemble donc une grande force au service de l'amour et de la fraternité. Belief in evolution in Islamic countries. There is a lot of Darwinism in Islamic countries. Courses on the theory of evolution are mandatory in universities in all Islamic countries. Belief in evolutionary theory is essential for having an academic career. Arguing against Darwinism means an instant end on one's career. Iran, for example, allows a great deal of coverage to the theory of evolution in their curriculum. Standing against the theory of evolution would be considered as unscientific in these countries. They try to reach a common ground between evolution and belief. Donc les pays musulmans, contrairement à ce que certains pourraient croire, ne sont pas différents des nôtres en ce qui concerne l'importance de la théorie de l'évolution, puisque dans ces pays musulmans,
D'une part, la théorie de l'évolution est obligatoire, qui est un enseignement obligatoire dans les universités. La croyance dans la théorie évolutionniste est essentielle pour avoir une carrière académique, donc c'est exactement comme chez nous. Et évidemment, argumenter contre l'évolution signifie la fin immédiate de sa carrière. En Iran, ça c'est intéressant pour les Français, parce que la vision de l'Iran que nos amis ont est très très différente de celle que l'on a dans nos journaux. En fait, l'Iran attache une grande importance à la diffusion de la théorie de l'évolution dans les curriculums scolaires des étudiants. Et donc se dresser contre la théorie de l'évolution, enfin comme le font les gens d'Arunyaya, serait considéré comme non scientifique. Le simple fait d'être contre l'évolution, vous êtes classé non scientifique. C'est exactement comme chez nous. Et évidemment, ils essayent de faire de mélanger le terrain dans les questions d'évolution et les questions de croyance. Mr. Alan Oktar's works manifesting the collapse of the theory of evolution. He has 300 books translated to more than 75 languages and 800 websites. In 1980s, while Mr. Adnan Oktar was a student in the university, he started his works with a small brochure named The Evolution Deceit. And in the following years, he gathered his research in a book named The Evolution Deceit. That is one of the first ones, his brochure. This book, which was sold in millions with extended editions, has been translated into tens of different languages like Chinese, Urdu, Serbian, Portuguese, Polish, Malay, Hebrew, Hausa, Czech, Bosnian, Bulgarian, as well as the major languages like English, French, German, Italian, and Russian, and has been published in hundreds of editions. Donc, les travaux de Adnan Oktar contre la théorie de l'évolution. Monsieur Oktar, en 80, donc, était étudiant à l'université, et c'est à ce moment-là qu'il a commencé son travail avec une petite brochure qui s'appelait La déception de l'évolution. Et durant les années suivantes, il a rassemblé toutes ses recherches dans un livre, un vrai livre cette fois, appelé donc La déception d'évolution. Ce livre a été vendu à des millions d'exemplaires, hein, avec un grand nombre d'éditions qui a été transmis dans un grand nombre de langues dont le nom est pratiquement le même en français et en anglais, donc je ne traduirai pas, et avec des centaines d'éditions de chacune de ces traductions. Mr. Adnan Oktar has 99 books, out of his 300 books, 99 books that put forth the invalidity of the theory of evolution, and 75 of his books depicting the perfect proofs of creation, Allah called into being in the universe and the living beings. The invalidity of the theory of evolution is discussed in these books with the most compelling examples. Some of his books you see. Donc vous avez, alors certains des livres de Adnan Oktar sont présentés sur une petite table à gauche, hein, sur le là-haut, donc vous pourrez les compulser. Donc il a au total écrit 99 livres. Je ne sais pas si c'est symbolique ou mais ça va être intéressant, et c'est en tout cas impressionnant, qui mettent en évidence la validité scientifique, hein, de la théorie d'évolution. Et 75 livres positifs cette fois. Alors c'est ça qui est intéressant, si vous voulez. Il y a la critique de l'évolutionnisme, et puis il y a l'affirmation des preuves parfaites de la création par laquelle Dieu a appelé en existence l'univers et les êtres vivants. Et donc l'invalidité de la théorie de l'évolution est discutée dans ces livres avec un très grand nombre d'exemples d'irriments. Harun Yahya Adnan Oktar is an international hero. His books have spread everywhere in the Islamic world. He has developed his own Islamic creationism. This is from New Scientist, 22nd April 2001, called New Scientist called Mr. Adnan Oktar as an international hero for defeating Darwinism. Donc c'est souvent chez les adversaires qu'on est reconnu, et c'est ce qui se passe, puisque le New Scientist, qui est évidemment une revue complètement évolutionniste, a un jour écrit, en 2001, Harun Yahya est un héros international. En ce sens, évidemment, il y a beaucoup de gens qui marchent derrière lui. Ses livres se sont répandus partout dans le monde islamique, et il a développé son propre créationnisme islamique.
in the Atlas of Creation. It's 7 kilograms, as you see over here. There is one sample in the back. You can take a look at it. It consists of thousands of pictures of fossils showing that there are no transitional forms, and they emerge all of a sudden and never change, and no different than today's samples. It consists of 7 volumes. Each volume has about 750 pages, photographs of 1,500 authentic fossils, a cultural earthquake impacting the world, worldwide distribution to academicians, politicians, renowned authors without a fee. So without a charge, we send hundreds of thousands of copies of Atlas of Creation to major academicians, politicians, famous singers from Rihanna to Tom Cruise to Obama, Sarkozy. They all got one copy, 100,000 copies for no charge. Et donc l'Atlas de la Création par Anu Runyaya a été diffusé dans le monde entier, envoyé gratuitement à plein de personnes, alors que c'est un livre lourd, puisqu'il pèse 7 kilos. C'est un grand format papier glacé avec énormément de photos. Le premier tome nous avait été présenté d'ailleurs grâce au docteur Roulet, au colloque de Bonnel, il y a quelques années, puisqu'il a été envoyé gratuitement à tous les lycées de France. Donc les professeurs de biologie l'avaient, et une collègue du docteur Roulet, ne sachant qu'en faire, lui avait refilé. Donc ces livres sont très bien illustrés, donc vous pouvez en consulter à la sortie. Il y a énormément donc de photographies de fossiles. Enfin, c'est l'argument très puissant, c'est-à-dire qu'on voit un animal sous forme fossile, sous forme contemporaine, et on constate que c'est le même. Donc si le même animal fossile n'a pas changé entre l'époque où il a fossilisé aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas eu évolution. Enfin, voilà la démonstration, qui est une démonstration puissante, parce que c'est un fait. Les faits ne se démontrent pas, en fait, ils se constatent. Et ça, la photographie est un outil puissant aujourd'hui pour le constater. Donc là, on a effectivement un résultat. La diffusion des lumières en Europe, et effectivement cette diffusion par Runyaya a été une des causes de la décision du Parlement européen, donc il y a maintenant 5 ans, de prendre une motion, alors qui a été très très longue à faire voter. Il y a des articles dont ça n'avait pas ce sujet, puisque ça suivait une opération qu'avait faite Maciej Skertich au Parlement européen, une audition au Parlement européen sur l'enseignement de l'évolution dans les écoles. Bon. Et alors, il y avait eu donc cette audition de Maciej Skertich, il y avait la diffusion des Runyaya, et donc le Parlement européen a fait une audition à de mettre un frein à la diffusion de cet horrible créationnisme qui menaçait, et on a, alors ça a été voté, mais ça, ils n'ont pas eu la majorité suffisante, donc on a reformaté une autre commission qui a fini par voter à une très petite minorité l'idée que ces idées de création ne pouvaient pas être, pouvaient évidemment être enseignées, via liberté en Europe, mais ne pouvaient pas être enseignées dans les cours de sciences, devaient être enseignées exclusivement dans la religion. Well, you see some impact of the Atlas of Creation. There are thousands and thousands of newspapers. There has been news about Atlas of Creation. This is from Science, Le Express, Liberation France, Washington Post, Le Figaro, Le Croix. Yeah. Et donc il y a eu effectivement des réactions, c'est-à-dire que l'Union nationaliste, enfin, s'est émue. Et d'autre part, un certain nombre de professeurs se sentaient agressés dans les cours par des étudiants ou des étudiantes, pas forcément voilées, mais qui posaient des questions quand on parlait d'évolution dans les cours. Et évidemment, dans l'enseignement secondaire français, on n'a pas l'habitude, je dis secondaire, que les étudiants contestent l'enseignement transmis. Et là, je dois dire que les gens qui ont réagi de cette façon contre l'enseignement darwinien diffusé à l'enseignement secondaire sont chez nous principalement des musulmans, et peut-être même principalement des musulmans dans les quartiers sensibles, comme on dit, parce que justement, eux ont une conscience peut-être plus nette du fait qu'il y a certaines... que la vérité entraîne certains devoirs, et qu'on ne peut pas accepter que le professeur, même si c'est le professeur, dise n'importe quoi. Non. Now, again, the impact of the evolution. Harun Yahya says in his book of 700 pages full of photos that the theory of evolution is false, and even adds in the first volume that Darwin is the source of terrorism
and that Darwin is responsible for all ferocity done by dictatorships in the 20th century. And this is from European Council. I had a meeting. This is the lady is head of the science section, and that was about Atlas of Creation. Oui, c'est Madame Brasseur de la Conseil d'Europe. Alors, donc, dans ce livre, Wundayya dit qu'il, dans le livre de 700 pages illustré, que la théorie de l'évolution est fausse, et même que, alors dans le premier volume, ça, que Darwin est la source du terrorisme, que Darwin est le responsable pour toute la férocité faite par les dictateurs du XXe siècle. This is what she said, actually. That is what she said. These words belong to her. Oui, effectivement, c'est Anne Brasseur qui dit que Wundayya dit. Mais en fait, c'est vrai. European Council, okay. And a report of Atlas of Creation. Darwinists are in despair in the face of explicit evidences which verify that evolution is unscientific. Dangers of creationism in Europe, that you see over here. A report of an Atlas of Creation. Donc c'est ça, c'est la menace créationniste. Hein. Alors, il y a eu dans le CEP d'ailleurs des articles hein, sur la menace créationniste. Enfin, donc le danger du créationnisme en Europe. Est-ce qu'il n'y a pas des dangers plus importants en Europe? Je ne sais pas. Et parce que justement les darwinistes se désespèrent dans la mesure où ils n'ont pas d'arguments scientifiques pour répondre évidemment à ceux qui contestent d'un point de vue scientifique l'évolution. Now another one, the greatest creationist offensive ever, panic in Darwinist education. Adnan Oktay is the leader of the most influential anti-evolution movement in the Muslim world. His deterrent force is impressive, terribly effective, and there has never been such a great anti-Darwinist movement before. If creationist ideas are victorious in these lands of lake philosophy, the struggle will be won. His great dream of pious Europe will be a reality. I want to repeat these sentences. The struggle will be won. His great dream of pious Europe will be a reality. This is to Le Nouvel Observateur, 2009. Donc, vous voyez, le danger est peut-être impressionnant, hein, parce que, dit cet article du Nouvel Observateur, donc là, il s'agit de la plus grande offensive créationniste jamais rencontrée, panique dans l'éducation darwinienne. Adnan Oktay est le chef du mouvement le plus influent contre l'évolution dans les mondes musulmans, et sa force de dissuasion est impressionnante, très efficace, et il n'y a jamais eu un tel mouvement anti-darwinien auparavant. Donc voilà, c'est la chose importante. Si les idées créationnistes sont victorieuses dans ces terres, dans nos terres de philosophie laïque, la bataille va être gagnée par eux. Hein. Et donc le grand rêve de Adnan Oktay d'une Europe pieuse sera une réalité. Et évidemment, c'est un rêve horrible. Enfin, pour le Nouvel Observateur. And a video, please. Okay, this is a video. That is Mr. Adnan Oktay. He was born in 1956, and he's in Istanbul, Atlas of Creation, and he has TV programs in TV channel 09 every night, every day, 3 to 4 hours. He talks about scientific refutation of Darwinism and the political agenda and the conflicts in the Middle East and many other topics. And he is the author of more than 300 books. You see some over here. And he has 200 documentaries and 800 websites. This is the Atlas of Creation. You see thousands of pictures, close professional photographs of the pictures of the fossils. And in many journals and newspapers, there has been articles about the Atlas of Creation. This is, for example, from New Scientist. Harun Yahya Adnan Oktay is an international hero, they said in 2001. Donc, Adnan Oktay est né en 1956. Il a le très grand avantage d'être photogénique, si bien que il passe très bien à la télévision. Donc, il fait un grand nombre d'émissions de télévision. Il se laisse facilement mettre dans les journaux. Donc, un grand nombre de journaux parlent de lui, parlent de l'Atlas de la création, parlent de ses travaux. Donc, vous voyez, même le National Geographic. Ces journaux sont bien obligés de parler d'un phénomène qui atteint une telle dimension. It's again from National Geographic.
Islamic creationists such as Harun Yahya Adnan Oktar, author of a recent volume titled The Evolution Deceit, who calls the theory of evolution nothing but a deception imposed on us by the dominators of the world system. That was from National Geographic. Et donc, National Geographic reportant que pour Harun Yahya, donc l'évolutionnisme est un outil dont se servent les dominateurs du système mondial contre les populations. C'est ce qui est intéressant à lire dans le National Geographic. You see different translations of the Creation Atlas and in thousands of news that you see over here. This is Washington Post, in Der Spiegel, The New York Times, Stern, The Economist, Le Monde, CBS News, all of them. Talked about Atlas of Creation and its impact. Voilà, donc Harun Yahya a su se servir évidemment de la mode journalistique qui fait que quand on parle d'un sujet, tout le monde est obligé d'en parler. Et évidemment, là, il faut reconnaître qu'il y a un savoir-faire médiatique du côté de nos amis turcs qui est impressionnant. Donc il s'agit vraiment d'une offensive, mais d'une offensive positive. C'est-à-dire, c'est une offensive contre l'athéisme, contre les gens qui ne croient à rien, et c'est quelque chose qui est quand même sympathique. Some of them, yeah, for example, the French newspaper says it's like an atomic bomb. Some of them said it is like an earthquake. Donc la presse française elle dit c'est comme une bombe atomique ou un tremblement de terre. Next slide, please. Okay, we'll finish. Okay. And he also invited the prominent atheist, Richard Dawkins, to Turkey for a debate, Mr. Adnan Oktar. This is from the Times newspaper of United Kingdom. That is a commercial of advertising of Mr. Adnan Oktar. He said, a call to Richard Dawkins. Richard Dawkins has on many previous occasions been invited to Mr. Adnan Oktar, Harun Yahya, to a face-to-face public debate in which the scientific evidence is brought together. But Dawkins has always replied, I have sworn not to debate. Dawkins' subsequent selection of secondary school students and evangelical clergy of debate, which has attracted considerable notice, however. In other words, he has no excuse or explanation for not taking part in such a debate. Therefore, once again, Mr. Adnan Oktar invites Richard Dawkins to a face-to-face debate accompanied by the scientific evidence, but he escaped again. He refused it. Alors, Dawkins, c'est un biologiste d'Oxford qui est très connu dans le monde anglo-saxon, enfin, dont les livres sont traduits en français, bien sûr. Alors, c'est un athée convaincu qui est extrêmement agressif, en fait, dans sa critique, en particulier des anti-évolutionnistes. Et Adnan Oktar a défié Dawkins de débattre avec lui, et Dawkins comme le font d'ailleurs les évolutionnistes américains, c'est la même chose, hein, c'est les mêmes tactiques partout, en fait on refuse le débat en considérant justement que l'opposant n'est pas digne du débat, mais le résultat c'est que le débat n'a pas lieu, c'est-à-dire donc l'échange d'arguments n'a pas lieu, ce qui intellectuellement est quand même une solution un peu facile. All right. Well, this is prize offers by refuting Darwinism. Muslim creationist Adnan Oktar challenges a scientist to prove evolution. Almost 100 million fossils have been unearthed so far. All of these show that plants, animals, humans, and insects have never undergone evolution whatsoever, and they were all created in the same way by God. We can see this fact in each fossil we come across. There is no fossil proving the contrary. If they can show one, I will reward them 1 trillion Turkish lira. This is 4.4 trillion pounds, or about 7 million American dollars. I don't know how many euros it is. I have to calculate. So that was about 4 years ago. You know what happened? Nobody has appeared, because there is not even a single transitional form. Creationist Adnan Oktar offers trillion pound prize for the fossil proof of evolution. This is in Telegraph, for example. You see in Telegraph, the creationist Adnan Oktar offers trillion pound prize for fossil proof of evolution. This is another newspaper. It says about this price.
for single transitional forum. Voilà, donc il y a le défi de débattre et puis il y a le défi d'un prix pour celui qui évidemment les possibles de transition ou le prix des prix évidemment fabuleux qui n'offrent absolument aucun risque pour celui qui se propose de les payer, puisque la chance évidemment n'y a aucune raison que on obtienne des preuves de l'évolution. Enfin, donc, vous voyez, des milliards de livres pour cela. Donc, ce défi qui a été publié dans la presse internationale. So nobody has appeared. That means no transitional forms. Donc, puisque personne n'a répondu au défi, c'est bien qu'il n'y a aucune forme de transition. De toute façon, si on les appelle chez nous manquants, c'est bien parce qu'ils manquent à l'appel. And video, please. This is in Rotterdam, Holland. Announcement of Hari Yahya, you will see on the buses. God bestaat, that means God exists, and with his pictures and his books on the buses, many buses in Rotterdam. God exists. MashaAllah. Donc, outre les médias classiques, on a des techniques d'affichage plus également de sur les bus, Dieu existe. Enfin. Bon, ça, c'est évidemment, c'est plus américain que français, mais disons que ça existe et c'est à saluer. Donc ça, c'est à Rotterdam. Donc vous voyez la volonté d'avoir une influence internationale. In many buses that has been in the city for many days, they have been traveling these buses. Donc ça a duré un grand nombre de jours. Okay, and this is from London, United Kingdom, London, and London, United Kingdom. Modern science declares God exists on the buses. You see many buses for many days. They traveled in London. God exists. Modern science demonstrates that God exists. Bon, donc là, on est dans les techniques classiques de propagande. Simplement, on renverse la propagande et on met sur les bus anglais. Donc l'argument, la science prouve que Dieu existe. Avant, l'argument c'était la science prouve que Dieu n'existe pas. Puis maintenant, on vous met la science prouve que Dieu existe. And this is from the humanist, comment by New Humanist. Islamic creationist Adnan Oktar launches London bus campaign, it says. There is not really a great deal to say about the ads themselves, other than that they say modern science demonstrates that God exists, New Humanist, in Atheist magazine. Et alors, ça c'est intéressant. New Humanist, évidemment, c'est une revue messianico-rationalico, etc. Et comme réaction à cette campagne d'affiche sur les bus de Londres, on dit qu'il n'y a pas grand-chose à dire à propos de ces affiches, si ce n'est qu'elles disent la science moderne démontre que Dieu existe. Voilà les arguments en réponse. Video, please. And we did thousands of conferences worldwide, internationally, in the United States, in America, in Europe, in the Far East, Indonesia, Malaysia. You will see some of them. This was from France. Again, please. Okay, this is going to show Australia, for example. Melbourne, Australia, the conferences we did in Australia. Sydney Community Hall. You see in Azerbaijan, Baku, Azerbaijan. The conferences we did about against Darwinism, scientific refutation of Darwinism and the fact of creation. Many conferences over the years, over more than 10 years, in Africa, for example, Al-Badi School, Cape Town, Africa, you see the conferences we did. Middleburg, Africa, Johannesburg, Africa, the conferences we did. And then this is from Brunei, another country, China, Islamic Union China, Indonesia, Andalas University Indonesia, that we did conferences, Indonesia, you see. This is Indonesia conferences many times, not only once. These are only samples from them in Indonesia. France, for example, in Lyon, France. These conferences we did in France. Marseille conference, Paris, you see. The conferences over here in France. And the fossil exhibitions that you see, these are the fossil exhibitions we did. Strasbourg, France. You can go on. Mais il est certain que là, il y a une chose très intéressante, c'est que dans les mosquées françaises,
Si on est anti-darwinien, on est musulman, on demande à faire une exposition de fossiles ou à faire une conférence, on peut le faire. Donc il y a une très grande dissymétrie sur ce point, si vous voulez, entre la position des anti-évolutionnistes dans le monde chrétien, qui est intellectuellement occupée par les darwiniens, et qui sent immédiatement le danger à toute contre-information. Tandis que dans le monde musulman, alors pour des raisons qui seraient d'ailleurs intéressantes d'approfondir, hein, qui tiennent à beaucoup de choses, on n'a pas ces mêmes réactions immédiates de barrières, peut-être parce que les liens entre l'intellect et la piété ne sont pas les mêmes dans l'islam et dans le christianisme. Et le théilardisme a vraiment investi la théologie contemporaine, si bien que les gens qui voudraient renier l'évolutionnisme sont amenés à renier leur propre religion. Parce qu'ils se sont persuadés que c'était vrai, ils ont adapté leur croyance religieuse à l'évolution, et donc revenir en arrière sur l'évolution, pour eux, ça revient à changer tout le paysage. Donc il faut reconnaître que c'est quelque chose qui peut demander des années. Évidemment, il n'y a pas ce genre de... On ne constate pas ce genre de frein en islam. Yeah, you see, conference still going on. I did more than 1,000 conferences. My colleagues started also more than 1,000 conferences all over the world. So this is again in France, the France conferences that Sadun did. Actually, these are the Fast Lake book exhibitions and the Gymnase Marie Bell Theater. Donc c'était une conférence donnée par Alice Anoulengin, qui est parmi nous, l'autre Turc, voilà, qui revient ici. And this is from Vatican. I was in Vatican. The Vatican organized a Darwinist conference in Rome in 2009. They did not accept creationists. We applied to be as a speaker from creationist perspective. You know, Vatican is a Christian center of Christianity. So they shouldn't be organizing a conference with atheists who denies the existence of God. And at least they should let the creationists in this conference, given scientific evidences which refute Darwinism. But they rejected. They said to us, you can come and you can ask questions in the scientific discussion part. Mais donc, au moment de l'organisation de cette conférence au Vatican dont j'ai parlé tout à l'heure, il n'était pas possible d'intervenir si on était contre l'évolution. Par contre, ils ont dit, si vous voulez poser des questions, vous pouvez venir, tout le monde peut poser des questions. And so I went there and with a friend of mine who was recording the video. So I was asked, I raised my hand to ask a question. They asked me to come to the microphone. There were like 1,000 people, all Darwinists, and the 15 most prominent Darwinists of the world were sitting there, including Douglas Fituma, Francisco Ayala, and Lynn Margulis, many Simon Conway Morris, most well-known Darwinists were in this room. Donc il y avait à peu près 3000 personnes, c'est vraiment une grande conférence internationale, et notamment dans les intervenants, donc Futu Lima et Francisco Ayala, enfin, qui sont des évolutionnistes très très connus, et Octave Balbuena a levé sa main pour poser une question, il s'est approché du micro. Oh, I'm sorry, can we show the video please? But we need actual sound, there is a sound in the video, how can we do that, accomplish? Apparemment, ils étaient deux, donc l'autre a filmé l'incident, comme vous allez voir. Et comme il y a le son, on va essayer de projeter le son en même temps que l'image. Alors moi, je me souviens très bien avoir vu cet épisode sur Reuters, à l'époque, parce que c'était tout à fait intéressant. Mais par contre, c'était inaudible, parce que ce que j'ai vu sur Internet, et donc je ne comprenais pas, je voyais bien qu'il posait des questions, mais je ne comprenais pas quelles questions il posait. Quel stage ? Donc il dit qu'il représente Arminia de Turquie. Well, can it start again?
Donc je répète, on est dans une conférence internationale de grand niveau. He interrupts. This is Ayala. Hold on. But they were not verified by scientific evidences. For example, the evolution to be a fact. I'm showing what is the question. Yes, that's what I was missing. The evolution is a fact. You know, Darwin suggested there should be successive minor changes between species. So we have to see transitional forms. You know, transitional forms. Sir, yeah. Is it your question? Yes, I have a question. I'm your last question. You're not asking a question. Please ask a brief question. Yes, transitional forms. We have to see the evidence of transitional forms. Sir, okay, very good. Can you show us? What transitional forms? Can you show us? Transitional forms. Monstrous animals with no wings, for example. Single wing, little bit wing. So that shows we encounter the organs, the transitions. I'm sorry, walks away. You see Douglas Fatima. It's not the same. Donc on a vu Fatima qui quitte le l'estrade. Voilà, maintenant c'est le doyen de l'université. Voilà, le geste. We are applauding, you see, entire room. Any question, Mrs. Speaker, please, to the point of Professor Fatima. Please come to the microphone. Non, on peut parler sans micro, mais ça n'a pas le même effet. Donc c'est un épisode intéressant. Alors nous allons demander. Could you please explain what objection? Because it's very difficult to understand what's going on. I ask one simple question. Can you show us the transitional forms? If evolution be a fact, you have to show the transitions, pathological, symmetrical transitions between species. You know what I said? I'm sure maybe some of you heard. He said, you are violating the rules. Your question will not be answered. One simple question, can you show us transitional forms? He says, your question will not be answered because you are violating the rules. And they took the microphone and asked me to leave the room. Oui, donc la question était très simple, c'était pouvez-vous nous montrer une forme de transition? Et la réponse a été est-ce que vous êtes en train de violer les règles? Il n'y a pas de réponse et on a coupé le micro. Donc c'est intéressant parce que ça, c'est-à-dire que rien ne remplace le fait de l'avoir vu et j'étais très content de pouvoir avoir parmi nous ce soir celui qui était sans le vouloir d'ailleurs le héros d'un épisode hautement significatif. C'était que vous violez les règles non écrites. Parce que la règle non écrite, parce que la règle générale, c'est qu'on peut tout le monde peut poser des questions. Alors ça, c'est quand même une conférence qui durait 3 jours. Est-ce qu'une fois parmi 3 jours de conférence, on a le droit de poser la question, est-ce que vous pouvez donner un exemple de forme de transition? Eh bien non, ça, c'est violer les règles. Ça, c'est... quelles règles? Bien sûr, mais... Donc c'est très intéressant de l'état actuel de notre civilisation. Je pense qu'on peut dire ces mots. Hein, c'est...
parce que d'une part ou l'autre, la civilisation, disons que le droit à la vérité fait partie de toute civilisation. Well, if they, of course, evolution would be a science, there would be transitional forms, any of them, they would be able to show that. In scientific arguments, debates, nobody gets mad. But if you attack Darwinism scientifically, they get crazy about that. So they couldn't show one transitional form, but they didn't think one thing. My friend was recording that video. So you know what? We gave this to Reuters and Associated Press, and it was in the entire world media. Voilà, donc évidemment, il n'y avait pas de réponse à l'argument, il ne pouvait pas y avoir de réponse. Ce qu'il n'avait pas vu, hein, c'est toujours, c'est qu'il y avait le camarade qui filmait l'incident et la vidéo a été transmise à l'agence Reuters peu après. Évidemment, ça, les organisateurs ne l'avaient pas vu venir. And Reuters said the conference in Vatican is being very anti-democratic. Et donc, réaction d'auteur, cette conférence du Vatican est tout à fait antidémocratique. Ok. Okay. Ok. 2 minutes? 1 minute? Or finish? 1 minute. 1 minute, ok. And other works of Harun Yahya as of March 2011, I will go less. All the newspapers talk about the works of Harun Yahya, Atlas of Creation, and the blow to against Darwinism. And in 50 countries, his books are sold in the bookstores. Donc, les livres sont vendus en librairie dans 50 pays. And he has live lectures on 4 simultaneous translations, English, French, German, and Russian, in TV channel A9. You can watch it in the website. If you go to harunyahya.com or this website, click on that, you can watch his TV programs in live in English, French, German or Russian. Donc il y a des programmes de télévision qu'on peut avoir en direct sur internet quand on veut en cliquant Harun Yahya, etc. And his programs are being followed, about 30 million people are watching his TV programs, not only in Turkey, in Europe, in US, in Far East, in the Middle East, in Russia. Donc il y a en moyenne 14 000 personnes qui regardent ces émissions. And by the will of Allah, the complete works of Harun Yahya will continue to increase the fervor and enthusiasm in the world and call people to Islam in the 21st century, to religion in the 21st century. Donc par le alors oui, le site le website. This is a website. Donc voici le HTTP. Voilà, donc si vous faites harunyahya.com, vous aurez accès à ce genre de... voilà. Et donc, comme mot de conclusion, it's the last... Well, the quotation is the last... Yes, yes. OK. And you can translate that. Donc, à titre de conclusion, donc par la volonté de Allah, donc l'ensemble des travaux de Harun Yahya va continuer à se diffuser et à augmenter la ferveur et l'enthousiasme dans le monde et appeler le monde à l'islam pour le 21e siècle. Donc c'est la conclusion de notre ami Dr Babouna, ce n'est pas exactement la mienne. Well, this is the time for our alliance. Muslims, Christians and Jews coming together like this and struggling against Darwinism. And good morality, religious morality of 3 divine religions, compassion, mercy, love, tolerance, and justice, will prevail the entire world. With the return of Jesus and appearance of the Mahdi, there will be peace in the entire world, and these days are coming. So our alliance is very important. We love Christians, we love people of the book according to the Quran, and we respect them, love them very much. Allah says the monasteries, the churches, the synagogues, and the mosques are places to be protected. Donc, pour ce 21e siècle, avec nous qui attendons le retour de Jésus et du Mahdi, nous espérons un monde de tolérance, d'entraide, dans lequel il y aura charité réciproque, protection de tous les lieux de culte. Et évidemment, c'est ce monde que nous souhaitons réaliser avec vous. And thank you very much. It was a pleasure and honor to be here. Again, we invite you to Turkey. Donc, merci beaucoup.
et vous êtes invité en Turquie. Donc nous avons, évidemment, nous débordons un petit peu notre horaire, bon, mais il faut quand même qu'au moins ici, on puisse poser des questions. Donc on essaiera de ne pas faire durer trop longtemps la pause, hein, de façon à ne pas trop prendre sur le temps des orateurs suivants, mais il est important que des questions puissent être posées. Je pense que Alice... Oui, attendez, c'est... Oui, alors, est-ce que quelqu'un aurait le micro baladeur? Ah si, c'est ça. Les intervenants de leur présentation qui est toujours impressionnante. Alors, effectivement, être anti-évolutionniste, bon, c'est bien et c'est la vérité sur la terre, mais pour aller au ciel, le problème, vous avez parlé beaucoup de Dieu et de Jésus, mais Dieu, bon, que je sache, c'est la très sainte Trinité. Dieu est esprit. Et notre Seigneur s'est incarné, le Verbe de Dieu, la deuxième personne de la très sainte Trinité. Et Jésus, quand j'ai entendu le premier interlocuteur dire que Jésus n'était pas mort, Jésus est mort sur la croix pour sauver tous les hommes, et il reviendra juger les vivants et les morts, et il sera précédé de la sainte croix que vous avez derrière vous. Et la troisième personne de la très sainte Trinité, c'est... le Saint-Esprit, qui est le Dieu d'amour, le fruit d'amour du Père et du Fils, qui s'aiment réciproquement. Donc, le problème, est-ce que la charité sans la vérité est possible? Je pense que notre action est démontrée dans l'Évangile, qui est le livre qu'a laissé notre Seigneur. Lorsque la maison est bâtie sur du sable, les flots peuvent passer et repasser, et la maison est emportée. Or, le roc sur lequel est bâtie la vérité, c'est le Christ, Jésus-Christ, qui est Dieu, et qui est le Fils du ciel. Voilà. En tout cas, je vous remercie, c'était très impressionnant, en tout cas, et très courageux, au Vatican, dans l'entre deux mondes. Bon, je n'ai pas entendu tout ce qui... Enfin, ce que j'ai cru comprendre, c'est que notre ami là, on fait remarquer qu'il y a une limite, à la collaboration possible entre les chrétiens et les musulmans, et ça paraît une évidence. Hein. Comme je l'ai expliqué, alors malheureusement, le micro-baladeur ne marche pas, donc je demande à ceux qui veulent poser des questions de venir ici, et on est obligé de faire comme ça. Et alors, si c'est possible, parce qu'il y a le problème de la langue, je regrette que Alice Dunengin soit partie, mais on va, parce que là, avec la langue, c'est très compliqué. Bon, il est évident que le CEP n'a pas de mission pour promouvoir quelque religion que ce soit d'ailleurs, si ce n'est le christianisme. Mais le but de cette présentation, je l'expliquais au début, c'était de vous apporter une information de première main sur un phénomène important qui se déroule aujourd'hui, hein, au début du XXIe siècle, en islam. Maintenant, vous êtes assez grand pour penser par vous-même. Très bien. Oui, une question, rassurez-vous, très brève et très précise. Notre orateur a fait allusion au fait qu'en Iran, l'évolutionnisme relevait, pour ainsi dire, de la doctrine officielle. Je voudrais savoir si c'est spécifique à l'Iran ou bien si ça n'est pas spécifique plus largement à l'islam chiiste. Et dans l'hypothèse où ça le serait, j'aimerais en connaître la raison. Voilà. Marxist education. Donc c'est bien, c'est une éducation marxiste qui n'a... Is this Marxist education?
developed in Iran because it is a Shiite country and not Sunnite country? Well, Shia, I believe, is not prevailing in Iran. But Iran is prevailing in the Marxist mindset. The government is controlled by a Marxist deep state structure. And that is controlling. There is a lot of resistance with Darwinism. For example, if you cannot do a conference or any intellectual struggle against Darwinism, the state will resist. Because Marxism is very powerful, deep state structure, which is controlling the state. So Marxist mindset controls Iran. Oui, en réalité, ça c'est une information intéressante. Donc la structure du pouvoir profonde en Iran n'est pas une structure chiite du tout, c'est une structure marxiste. Et donc le darwinisme est utilisé comme idéologie d'État, comme dans tous les pays marxistes, et imposé à tout le monde, parce que ça n'est pas, ça, en apparence bien sûr, c'est un pays chiite, c'est-à-dire on met toujours la religion en avant, mais la structure de pouvoir en Iran est une structure marxiste. In other countries in Iran, without this deep power apparatus, is it the same? Yes. Darwinism is being taught in the schools in Egypt, Tunisia, Jordan, Algeria, in all the Syria, in Iraq, in all the countries, even in Turkey. Darwinism is still being taught in the schools. But with the works of Mr. Haro Yahya, according to most recent polls, we did thousands of conferences and millions of booklets were distributed free of charge on the street in Turkey. Although Darwinism is still being taught in the schools, 95% of the Turkish people do not believe in Darwinism anymore. And this was done by Darwinist media, not by us. Oui, donc ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, le darwinisme est enseigné à l'école, dans tous les pays du Maghreb, du Proche-Orient, etc. Donc qui sont les pays musulmans, donc c'est pas propre à l'Iran. Mais par contre, grâce en particulier à l'activité d'Arminiaya, la population a accès aujourd'hui à une information anti-darwinienne et on arrive à ce point où aujourd'hui en Turquie, 90% des gens ne croient plus à la théorie de l'évolution. Oui, donc, is he human or divine? Okay. Oui. Donc la question est, Jésus revient, va revenir, donc sera-t-il humain ou divin? Well, according to hadiths, the sayings of the prophets, signs given by our prophet about the end times, they are all happened. That means Jesus, peace be upon him, must have returned, must be alive. But we know he will be keep secret at the beginning. But the time is coming that all the entire world will see him, will embrace him. Jesus is a prophet, will love and respect him very much. He will bring peace to the entire world. And these times are coming. According to Quran, he is a prophet of Allah, so he is human. Oui, bien, la question n'était pas utile, puisque pour les musulmans, Jésus-Christ n'est pas Dieu, donc ni avant ni après son retour, mais c'est un messager, c'est un prophète important. La deuxième... Bon, oui. Did Allah create the devil? Est-ce qu'Allah a créé le démon? Yes, Allah created the Satan, and Satan is under control of Allah, and the lower soul... In humans are, according to Quran, Allah says, the lower soul, it's called nafs in Arabic, is created by Allah. Which is, for example, everybody, there's in lower soul, everybody has the features of selfishness, being egoistic, for example, being jealous, being tyrant. But what we need to do is, for the test, we need to control ourselves, crash this lower soul, and have it a good faith. And follow obey the rules of Allah, the revelations. So we follow the good morality, and then they will pass this test. This is part of the test. Oui. Donc effectivement, là c'est un. Alors évidemment, on va expliquer le problème. C'est Dieu qui a créé le démon. Mais alors, ça c'est un point très important. C'est Dieu qui a également créé le côté mauvais en l'homme. Et donc nous sommes sur Terre, nous avons un côté bon qui nous pousse au mal, à la violence, etc., à l'égoïsme, et nous avons un côté bon,
et Dieu est là, observe nos efforts pour vers le bien, et il, évidemment, à la fin, il viendra juger les gens bien ou mal en fonction de ce qu'ils auront fait, c'est-à-dire en fonction de la lutte qu'ils auront menée contre leurs mauvais penchants. Mais ça, c'est un point fondamental. Alors, il faudrait beaucoup de temps pour en parler, mais nous en avons parlé hier après-midi. Parce que je crois que c'est la différence essentielle entre le christianisme et ce que j'ai compris de l'islam, c'est effectivement le fait que ce mauvais côté dans l'homme, hein, ce qui est le côté mauvais, qui est une notion talmudique d'ailleurs, hein, est créé par Dieu. Et ça, c'est la grande différence. Et comme c'est pour ça que le premier passage de Jésus n'est pas un passage de rédemption, parce qu'il n'y a pas besoin de rédemption. Hein? Donc on a quand même des différences très très profondes dans les croyances religieuses, hein, évidemment. Et évidemment, on n'était pas ici pour examiner ces questions théologiques. Hein, donc on va arrêter, parce qu'il est 4h20, normalement la pause. Il y aura quand même effectivement une question. Who paid the diffusion of the evolution atlas? Who? Mais qui a who paid? Who paid? Okay. The money. Yeah. And we are several hundred, about 300 people, friends of Mr. Harun Yahya, Mr. Adnan Oktar. Many of us are from have business. They have their own companies, and some of them have factories. So we make money, and we spend in the way of God, because Darwinism is very urgent. That is the reason why our unity is so important. We unite, because we have the same goal, common goal. What is that? To eradicate intellectually these atheistic philosophies, which are the cause of the corruption, and will bring the religious morality to the entire world. And so we spend our money, and we pay for the Atlas of Creation. We don't accept any donations. Mais donc Harun Yahya ne reçoit pas de dons. Il y a entre 300 et 700 personnes qui sont des chefs d'entreprise, etc. Comme les personnes d'ailleurs qui sont ici, et qui de même donnent de leurs revenus pour l'association. Donc c'est ce qui fait d'ailleurs la force de l'association, c'est qu'elle est libre. Mr. Adnan Oktar never makes not even single cent from his books. He never makes money. He spent his own money actually for his books, distributing his books. He never accepts any money from his books, because according to Quran, it's unlawful. For spreading the message, the religion, you cannot earn money from that. Alors, d'après le Coran, on ne peut pas de toute façon gagner de l'argent en diffusant la bonne parole. Donc Adnan Oktar ne prend aucun droit d'auteur, bien entendu, sur ses livres. C'est pas le but de l'opération. Et c'est contraire, si vous voulez, aux règles du Coran. Écoutez, on pourrait parler longtemps. Il y aurait beaucoup de points qu'on n'a pas abordés. Je ne veux pas passer. Ah, c'est pas une question ? Une minute de 60 secondes. En 2005, aux Pays-Bas, il s'est passé ce que j'appellerais un tremblement de terre créationniste. Le ministre, qui est une femme, Maria van der Hoeven, en 2005, donc, qui est ministre de la Culture, ministre de l'Enseignement et ministre de la Science, dit « Nous devons enseigner au même niveau le créationnisme et le darwinisme, puisque le darwinisme ne répond pas à toutes ces questions. » À l'Assemblée, donc, à La Haye, ça a été véritablement un tollé. On n'avait jamais vu ça depuis la Seconde Guerre mondiale, les députés montaient presque sur les tables, et elle a été soutenue, donc Maria van der Hoeven a été soutenue par le professeur Seyss Dekker, qui a reçu le prix Spinoza en 2003. Le prix Spinoza, c'est le prix c'est le prix scientifique le plus important. Et le professeur Seyss Dekker a pris fait et cause pour Maria van der Hoeven, qui était ministre de la Science. Et ce professeur enseignait le créationnisme dans les églises évangélistes, etc. Voilà. Donc c'est très important de le dire, je pense.
Donc, écoutez, c'est effectivement une information intéressante. Enfin, il y en aurait d'autres du même genre. Ça veut dire que le combat continue et il est loin d'être perdu. Et je pense même qu'il y a de fortes chances qu'il soit gagné. Parce qu'à partir du moment où l'adversaire n'a pas la possibilité de répondre aux arguments, c'est qu'il sait qu'il a perdu. Et quand l'adversaire sait qu'il a perdu, il est vaincu. Mais pour le moment, il a encore des micros, il a de l'argent, il a des réseaux de télévision, mais ça ne compte pas, parce que c'est la vérité qui compte. Donc je remercie le docteur Oktar Babouna d'être venu de Turquie pour nous présenter un document d'ailleurs très très bien réalisé. Il faut reconnaître que sur le plan de la forme, il y a du savoir-faire chez nos amis turcs. Hein. Et je remercie également Alice Adonengin, que je n'aperçois plus là. Ah oui, voilà, qui était à la caméra, qui nous a, dans un excellent français, fait part de la vision du monde de l'islam. Alors je sais bien sûr que ici cette vision du monde peut choquer ou ne peut pas être immédiatement partagée parce qu'il y a vraiment des différences fondamentales entre religion, parce que s'il n'y en avait pas, ça se saurait depuis longtemps. Voilà, quand même, et on ne va pas en deux heures de conférence régler un différend qui dure depuis des siècles. Mais l'important, c'était de vous montrer que au-delà de ces différends, de ces barrières entre les personnes, il y a partout ce qu'on appelle dans l'Évangile les gens de bonne volonté. Et il est dit paix aux hommes de bonne volonté. Et on ne me dit pas aux hommes de volonté de votre camp. Non, il est dit paix aux hommes de bonne volonté. Donc ce que je voudrais signaler, c'est la possibilité, effectivement, dans des camps aussi différents que le camp chrétien, si on veut dire, et le camp musulman, de constater qu'il est possible de parler paisiblement, de répondre aux questions et sur un grand nombre de points de constater des convergences quand même significatives et qui peut-être ouvrent la voie à des collaborations effectives pour je pense que des opérations de déstabilisation de professeurs de lycée peuvent être parfaitement menées de concert par des chrétiens motivés et des musulmans motivés. Enfin, déstabilisation dans le bon sens, hein, entendu. Donc merci encore à nos amis turcs.